J'ai fait un MBA d'International Management et je suis médecin aux urgences. Ça touche toutes les professions, ça touche tout le monde en fait. Et c'est vrai que la charge mentale ou le burn-out existait avant. Mais je dirais que cette période de crise sanitaire et de confinement a révélé un peu plus ce fléau. Parce qu'il y a eu des changements de comportement, des changements géographiques, des incompréhensions de part et d'autre. Enfin, tout a été changé. Et on sait que l'être humain n'aime pas les changements. Donc ça l'a perturbé. Et automatiquement, ça a créé tout un tas de disharmonies en lui et dans la société. Parlons un peu de la société. Qui est visée actuellement? Je réfléchissais pendant que vous avez posé cette question. C'est-à-dire que ouais, on était un peu précurseurs, mais au début, ça a fait un impact, certes, parce qu'on en parlait un petit peu, ça commençait. Mais de plus en plus, on en parle. Et là, on dirait qu'on est même un peu plus reconnus, entre guillemets.